There's no need to overdo it now. Go at your own pace. We're here to make you laugh when you are alone. Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un 20e épisode de La Bibliothèque et c'est un épisode que je suis très content de faire. D'abord parce qu'on va parler de quelqu'un que j'apprécie énormément, mais aussi parce que cette personne a pris le temps de répondre à mes questions. Donc c'est entre guillemets la première bibliothèque officielle. Donc je remercie chaudement Kota Takahashi dont on va parler aujourd'hui pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et je remercie aussi Cédric, un pote de Pazou, qui de son côté a traduit l'interview. C'était vraiment un exercice super cool et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Kota Takahashi est né le 5 octobre 1972 à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa. Il va néanmoins grandir à Chiba, dans la préfecture du même nom. Et dès son plus jeune âge, il va être plongé dans la musique, puisque son père était membre d'un jazz band. Et donc forcément, à la maison, tout tournait autour de la musique, au point que même les films préférés de Kota quand il était tout petit, c'est des films qui parlaient de musique ou de jazz. Il cite entre autres Romance inachevée au millionnaire de 5 sous, et par exemple ce dernier relate l'histoire de Glenn Miller, qui est un grand tromboniste de la première moitié du 20e siècle. Et donc comme c'est souvent le cas dans les familles de musiciens, Kota va être amené à apprendre à jouer d'un instrument, en l'occurrence le piano. Il va suivre des cours de la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire, et c'est d'ailleurs pendant cette période, alors qu'il avait 8 ans, qu'il va composer son tout premier morceau qui s'appelle Umai. Mais malgré des influences basées sur une musique très libre et improvisée, très vite Kota il va se sentir frustré par son utilisation du piano, et il va se tourner vers la musique programmée sur ordinateur. Et durant la préadolescence, il va avoir une sorte d'épiphanie quant à son avenir professionnel, puisqu'en juin 1984, va sortir le Family Basic, et quand il l'a eu, il était comme un ouf. Il s'est dit qu'il allait pouvoir produire de la musique sans aucune limitation technique, et du coup, il a passé un temps fou dessus. Pour expliquer rapidement ce que c'est, Family Basic, c'est un logiciel qui était coproduit par Nintendo, Hudson Soft et Sharp, et en fait, c'était une cartouche que tu mettais dans ta Famicom, c'était disponible uniquement au Japon, et la cartouche était livrée avec un clavier. Et en fait, le but du truc, c'est que tu pouvais programmer directement sur ta Famicom. En 1986, alors qu'il a 14 ans, sort The Legend of Zelda dans sa version Famicom Disk System. Et dans le jeu, on peut y entendre une cloche sonner. Ce son de cloche, il va faire péter un câble à Kota Takahashi. Il se demandait de façon obsessionnelle comment il pouvait être reproduit par la Famicom Disk System, alors que lui, sur son Family Basic, qui avait peu ou prou la même architecture, il en était strictement incapable. Et son obsession, elle sera telle qu'il ira jusqu'à appeler la hotline de Nintendo pour savoir comment ils avaient fait ce son. Et bien entendu, ils vont pas lui dire, hein, secret de polichinelle oblige. Et ce petit mur que va se taper Kota, ça va être décisif dans sa vie, puisqu'il va se dire hey, ça y est, je veux devenir compositeur de jeux vidéo, parce que j'ai envie de connaître tous les dessous de la programmation musicale. Quel est ce son cristallin? Comment ont-ils fait ça? Allô, j'écoute. Oui, bonjour Nintendo, je suis Kota Takahashi et j'ai une question à vous poser. Que veux-tu, gamin? J'ai entendu le son de la cloche dans l'intro de Zelda Famicom Disk System et j'aurais aimé savoir comment vous avez fait. Non mais attendez. Mais? Mais tu perds la boule? Mais non, mais c'est juste que... Non mais t'es zinzin, c'est tout, hein, voilà. Mais monsieur, s'il vous plaît. On passe des années à bosser sur nos softwares, là, c'est pas pour dire au téléphone, les gens, oui, comme quoi il faudrait faire les cloches comme ci ou comme ça. Vous êtes méchant! Je vais devenir un compositeur de jeux vidéo. Ainsi, je percerai tous les secrets. Comme il est issu d'une famille de musiciens, forcément, on s'est demandé comment ses parents avaient réagi face à l'orientation musicale de leur fils, parce que pour eux, ça devait être un monde un peu inconnu. Et ça s'est pas bien passé. Il nous explique que quand il était au lycée, il leur a fait écouter la musique qu'il produisait depuis pas mal d'années. Et leur réaction, elle a été lapidaire. Ils lui ont dit que c'était pas de la musique et qu'il avait aucun talent. Alors on se doute forcément, ça a dû être très difficile pour lui d'entendre ces choses. Néanmoins, quand il en parle, il en rit.
Et il nous dit d'ailleurs que déjà à l'époque, il était bien conscient qu'il pouvait pas répondre aux standards de ses parents d'un point de vue musical, mais il a jamais renié l'héritage culturel que lui avaient transmis ses parents, et c'est ce qui est passionnant dans la carrière et dans la vie de Kohota, c'est que t'as un mélange d'influences assez variées, qui sont toutes mélangées et qui ont donné, qui ont permis la création de la musique de Kohota Takahashi sur tout le long de sa carrière. Le premier grand groupe, bien évidemment, du coup, c'est le jazz, mais aussi les musiques de films que ses parents aimaient écouter quand il était enfant. Lui aussi était très musique de film. Il cite entre autres des films de sa génération comme E.T. ou Star Wars, mais aussi des compositeurs bien particuliers comme Ennio Morricone ou Michel Legrand. C'est ensuite le rock qui va trouver grâce à ses yeux. Pour resituer un petit peu, il a 12 ans quand Queen sort le single Radio Gaga. Il a 14 ans quand Eddie Van Halen tape des grosses phases de tapping partout dans le monde. Il en a 15 quand Axl Rose scande à qui veut bien entendre qu'il est le bienvenu dans la jungle. La liste est super longue et va bien au-delà des années qui entourent sa puberté. Il y a les Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Metallica, Bon Jovi, Genesis et j'en passe. Et le dernier grand groupe, c'est la musique de jeux vidéo. Et là aussi, c'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, musique de jeux vidéo, ça peut être tous les genres possibles, s'enregistrer avec des vrais instruments. Mais à l'époque, c'était une musique extrêmement synthétique qui était complètement à l'opposé de genres comme le jazz ou le rock, justement, qui étaient des genres très organiques, très sulfureux. Alors qu'il commence à squatter les salles d'arcade, il s'est pris pour la musique de nombreux shoot'em up tels que Gradius ou Darius, pour ne citer que. Et parmi les compositeurs qui l'ont inspiré, il est important de citer Hiro, qui est derrière les musiques des inénarrables Space Harrier, Afterburner et Outrun, mais aussi Chip Tanaka, qui avait bossé sur Kid Icarus et Metroid, et enfin Yuzo Koshiro, dont il a fortement apprécié le travail sur des jeux tels que Is 2 ou Sorcerian. Comme ce dernier, d'ailleurs, Kohota va être très actif sur la scène d'Ujin, donc cette scène qui est alternative au circuit de distribution traditionnel, on va dire, et où des amateurs s'amusent à produire de la musique, des jeux, des magazines, etc., et où ça circule de la main à la main. Il fait partie d'une sorte de club informatique qui s'appelle Cyber Factory, et ils sont tous méga pointus et extrêmement fans du jeu vidéo et de sa musique. Son but alors, c'est de produire des musiques qui sont aussi au point qualitativement parlant que ce qu'il entend dans les Game Centers, et en 91, alors qu'il avait 19 ans, il va autoproduire un album qui s'appelle Kota Takahashi's Fucking Sounds, où il fait pas mal de reprises de morceaux connus du jeu vidéo, mais aussi des compositions personnelles. Et donc le cheminement logique de tout ça, c'est que à un moment il va commencer à chercher du taf pour intégrer une grande entreprise de jeux vidéo, et il va se tourner entre autres vers Namco, qui est un éditeur qui porte en estime depuis qu'il est tout gamin. Il va se servir de tout ce qu'il a produit jusqu'ici pour postuler, et il va être embauché en 1995 alors qu'il a 22 ans. Sa toute première contribution chez la Namco Sound Team, ça va être sur Ridge Racer Revolution, où il va pas composer, mais où il effectuera des solos de guitare. Ce qui est fou, c'est que comme on l'a dit plus tôt, Kota et les instruments de musique traditionnels, ça a jamais été une grande histoire d'amour, et en fait il s'est mis à la guitare à la période où il cherchait du boulot. Il s'est entraîné 8 heures par jour pendant un an et demi pour finalement arriver à ce niveau. Il commencera la composition en tant qu'apprenti sur World Stadium EX, un jeu de baseball sorti sur PlayStation en 1996 au Japon. Et en tant qu'autodidacte ayant fait ses preuves grâce à ses talents en programmation musicale, Kota doit faire face à un changement technologique radical, puisqu'avec l'avènement du CD, la programmation musicale pure laisse progressivement place à des compositions basées sur de vrais instruments. Parce que ouais, Kota a appris le piano quand il était enfant, comme on l'a dit, il a aussi passé les deux dernières années à farmer la guitare pour être le meilleur possible, mais il a malgré tout quelques lacunes en termes de musique, on va dire, traditionnelle, sans aucune programmation. Et donc du coup, il va être formé durant le développement du jeu par Katsuro Tajima, vétéran de chez Namco qui avait entre autres travaillé sur Splatterhouse. Cette courte formation, elle va lui permettre de passer dans la cour des grands, puisque l'année d'après, il va bosser sur Ace Combat, une des licences phares de chez Namco. Il va bosser sur le deuxième épisode, où il sera accompagné d'Hiroshi Okubo, Tetsukazu Nakanishi et Nobuhide Isayama. Et ce dernier, d'ailleurs, lui sera d'une aide précieuse pour réussir à rendre ses morceaux en respectant les deadlines. Ace Combat, c'est une série qui sied à merveille à Takahashi, puisque le premier épisode avait déjà une forte identité rock dans sa bande-son, et du coup, l'occasion est toute trouvée pour lui de pouvoir mettre à profit ses influences et ses talents de guitariste. C'est une bande originale sur laquelle il est très présent, puisqu'elle compte 42 morceaux, et il y en a 14 qui ont été composés par Kota, plus 9 autres morceaux sur lesquels il joue à la guitare, et qui ont été composés par ses collègues. Ace Combat 2, ça a permis à Kota de prendre du galon chez Namco, c'est une bande originale qui est très appréciée. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Keiki Kobayashi, qui bosse sur la série depuis le quatrième épisode et qui occupe une très grande place dans la musique de la série, il a expliqué en interview que ce qu'il a fait postuler chez Namco, il est arrivé dans la boîte en 99, c'est la musique de Ace Combat 2,
C'est quelque chose qu'il a dit à Kota Takahashi et Kota semble très fier de cette petite histoire. On peut remarquer que c'est super important cette culture du passage de témoins entre les anciens et les nouveaux dans l'industrie japonaise, mais j'ai l'impression encore plus chez Namco. On l'a remarqué depuis que Kota est arrivé dans la boîte, il y a pas mal de vétérans qui l'ont aidé, qui lui ont appris des choses, et pour lui c'est une énorme fierté, il est très content, très fier d'avoir pu travailler avec ces gens et apprendre d'eux. Il cite en particulier Junko Ozawa, c'est une illustre compositrice ayant entre autres travaillé sur Tower of Druaga ou Ga+, avec qui il a eu la chance de travailler lors du développement de Klonoa Dort Fantamil, sorti sur PlayStation en 1998 chez nous. Parmi les quelques morceaux qu'il a livrés sur le jeu, il composera entre autres Inquisitive Waltz, morceau qu'on peut entendre dans les menus du jeu, et qui reprend en partie la mélodie de Windmill Isle, un morceau qui est justement composé par Junko Ozawa. Sans mauvais jeu de mots ou presque, l'année 98 va marquer un virage dans la carrière de Kota Takahashi, puisqu'il va bosser sur une licence auquel il est irrémédiablement rattaché, Ridge Racer. Parce que ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi sur Ridge Racer Revolution, il avait uniquement fait de la guitare, il n'avait pas composé. Mais là, il va composer et pas sur n'importe quel épisode, puisqu'il va bosser sur la BO de Ridge Racer Type 4. Après s'être acclimaté au mieux à l'identité de la série et aux consignes d'Hiroshi Okubo, Kota va s'en sortir magistralement sur cette bande originale. Il signera entre autres le morceau qu'on peut entendre dans la cinématique d'introduction du jeu. Et va pas hésiter à se servir de ses connaissances en guitare pour glisser quelques riffs sur des morceaux comme Naked Glow, qui est souvent évoqué par les joueurs, mais aussi, surtout, sur Move Me, qui est à mon sens l'un de ses meilleurs morceaux. Et pour finir, on va s'attarder encore un peu sur Ridge Racer Type 4, parce que je sais que c'est une bande originale que vous aimez beaucoup, en citant Rave Limit Funk, qui est toujours un morceau qui transpire le Kota Takahashi, et qui dessine parfaitement ce qui deviendra le cœur des sonorités de Ridge Racer 5, sur lequel il sera justement Sound Director. Ridge Racer 5, ça marque pour moi l'apothéose de la carrière de Kota Takahashi. La bande originale, elle est aussi lourde qu'enivrante, elle est beaucoup plus sombre, nocturne que ce qu'avait fait Type 4 avant lui. Alors attention, loin de moi l'idée de vouloir les comparer qualitativement parlant, pour moi c'est deux bandes originales qui sont très complémentaires. En tant que sound director, il est bien conscient que Ridge Racer 5 doit conserver cet attachement à la culture de musique de club et drive. C'est pourquoi il va bosser avec des artistes comme Sanodg, qui est un des sampling masters, qui est un compositeur interne à chez Namco, mais aussi Mike Van Dyke, qui est un DJ allemand qui s'est fait connaître au Japon en bossant sur un remix d'un morceau de Denki Groove. Et du coup, grâce à ces artistes, Kota conserve l'affiliation de la série à des genres musicaux électroniques, mais ça l'empêche pas pour autant de faire les choses à sa sauce, celle qu'il a commencé à confectionner sur Type 4 et qui a eu depuis bien le temps de mijoter. Le morceau qui représente le mieux ce que je suis en train d'évoquer, c'est Daredevil. C'est un ovni pour une musique de Ridge Racer, et il a poussé le délire tellement loin qu'il a chanté la majorité des paroles. C'est le morceau que vous avez entendu en introduction de la bibliothèque, mais il est tellement cool qu'on va se le remettre un petit coup. Très rapidement, je voulais aussi citer le morceau Junks, qui est un morceau très frustrant parce qu'il y a deux variantes qui durent à tout péter 20 secondes chacune et t'as envie d'en entendre plus tellement le morceau il est ouf. Heureusement, il y a eu une alternative sur cet album de remix officiel qui s'appelle Ridge Racer 5 Official Bootleg plus DVD. Il y a 6 ou 7 morceaux dessus, donc soit des remixes, soit des morceaux non utilisés dans le jeu. Et t'as Kota qui a fait un remix du coup de Junks beaucoup plus long et qui vaut le détour. Après la grosse exposition sur les projets qu'on vient de citer, les apparitions de Kota vont drastiquement se réduire sur les bandes originales de jeux Namco. Faut dire qu'ils ont beaucoup de compositeurs et du coup c'est assez rare qu'un compositeur ait l'occasion de s'étendre sur une bande originale. Ils font en général plutôt quelques morceaux chacun et t'as genre 10 compositeurs sur le projet. C'est ce qui va arriver à Kota, il va faire quelques musiques ici et là. Et le truc qui est assez fou, c'est que par exemple il bossera plus jamais sur un Ace Combat,
alors qu'il avait marqué avec son travail sur le deuxième épisode. Il reviendra entre autres sur la bande originale d'un Clonoa en composant 4 sons pour le deuxième épisode qui est sorti sur PlayStation 2, en conservant bien entendu le style qu'il avait adopté pour le premier épisode. Puis il contribuera pour la première fois à la série Tekken en mettant à profit une nouvelle fois ses riffs de guitare super saturés sur l'excellent morceau Ground Zero Funk qui est présent sur le cinquième épisode. Takahashi sera ensuite rappelé sur sa série de cœur en travaillant sur Ridge Racers, donc il y a le S, donc on parle de l'épisode PSP, et Ridge Racer 6 sur Xbox 360. Sur chacun des jeux, il y composera une partie d'un diptyque musical, donc d'un côté on a Synthetic Life, qu'on entend sur Ridge Racers, et Galactic Life sur Ridge Racer 6. Ces deux morceaux empruntent d'une grande nostalgie, puisque Kota y a mélangé d'innombrables sonorités de jeux Namco, telles que Galaga, Xevious, Galaxian ou encore Ga+, sur lequel avait composé Junko Ozawa cité plus tôt. Et c'est sur ce magnifique hommage que Kota va conclure sa collaboration avec Namco, et c'est pour cette raison qu'il apparaît malheureusement pas sur Ridge Racer 7 qui est sorti en 2006. Là, on va refaire un petit bond en arrière, parce qu'au début des années 2000, vont fleurir sur la toile des morceaux d'un certain Solid State, un pseudonyme qui apparaissait d'ailleurs dans les derniers jeux où Kota a bossé, puisqu'il se faisait appeler Kota Solid State Takahashi. Ces morceaux, qui sont d'ailleurs disponibles maintenant sur son Bandcamp, donc solidstatejapan.bandcamp.com, ils sont complètement ouf. C'est une période super intéressante, le début des années 2000, pour la carrière de Kota, parce qu'on a tendance à croire qu'il s'est évaporé dans la nature, sauf que pas du tout. D'une part, il y a les morceaux qu'on a cités juste avant. Il est aussi devenu professeur à la Konami School, où il enseigne à ses élèves les rudiments de la musique de jeux vidéo. D'ailleurs, à cette période, il a composé un morceau pour un beatmania qui s'appelle Resonate 1794, qui a une petite notoriété dans la communauté du jeu. Il semble avoir des souvenirs assez marqués de cette période, puisque comme on l'a dit, ce concept de transmission, c'est quelque chose qu'il touche particulièrement. Et ses élèves ont par la suite été amenés à bosser dans l'industrie ou à bosser en tant que freelance, et pour lui, c'est une énorme fierté. Aujourd'hui, t'as une scène de DJ et de producteurs qui ont initialement sévi sur les beatmania et les pop and music, et bon nombre d'entre eux ont eu Kota Takahashi comme professeur. Il devient un artiste très réputé au Japon, surtout pour ses connaissances en termes techniques. Il va rédiger de nombreux articles dans des magazines pour audiophiles. Il va aussi faire un guide pour Ableton, et il va bosser sur la partie technique des albums du très influent Hiroshi Fujiwara pendant plus d'une dizaine d'années. En 2006, il va participer à FM Sound Module Maniacs, qui est un projet d'album collaboratif qui réunit plein de grands compositeurs de musique de jeux vidéo japonaise. En vrac, il y a Yuzo Koshiro, Yoko Shimomura, Motoi Sakuraba, Keishi Okabe aussi, enfin bref, il y a pas mal de beau monde. Et Kota Takahashi va participer à ce projet et il va composer une musique qui s'appelle Everlasting et qui dit avoir composé comme une sonnerie de téléphone. Et c'est d'ailleurs sur cet album qu'il va rencontrer Kenji Ito, qui participait lui aussi au projet, qui est un grand compositeur qui a entre autres bossé sur la série Saiken Densetsu. Et ils vont super bien s'entendre au point qu'ils vont devenir amis et ils vont ensuite participer ensemble à d'autres projets collaboratifs liés à la musique de jeux vidéo. C'est une période de trouble, la frange 2005-2010 pour Kota Takahashi, parce qu'il a expliqué en interview qu'à un moment il a failli lâcher la musique de jeux vidéo. Parce qu'il avait l'appui, comme on l'a dit, de l'industrie, on l'a vu en dehors du jeu vidéo ou dedans. Dès qu'il y a un projet d'album collaboratif avec les plus grands, il est appelé, mais le public ne suit pas. Et en fait, il s'est dit à un moment, ouais, si les joueurs, ils sont pas chauds pour ce que je produis, à quoi ça sert que je me fatigue, je vais laisser tomber la musique de jeux vidéo. C'est un truc que je trouve totalement humain, hein. Pour ma part, l'appui de l'industrie, c'est bien, mais c'est vrai que si t'as pas la popularité du public et des gens qui te poussent vraiment... En avant, en dehors de l'industrie, c'est difficile de continuer. Et je comprends du coup cette période de flottement qu'il a eu. Mais il va pas lâcher le morceau pour autant et il va même se lancer dans un projet collaboratif qui s'appelle Resonator avec ce cher Kenji Ito. C'est un duo qui est surtout connu des amateurs de Manic Shooter, donc ces jeux où il y a des boulettes dans tous les sens sur l'écran que tu dois éviter au pixel près. Puisqu'en plus d'arrangements sur la série Dozenpachi, ils ont aussi composé la bande son de Bullet Soul qui est sortie sur Xbox 360.
On parlait tout à l'heure de la reconnaissance de l'industrie, et pour moi, j'ai l'impression que chez les compositeurs de jeux vidéo japonais, surtout, t'as un excellent baromètre de ta popularité dans l'industrie, c'est Super Smash Bros. Et là, en l'occurrence, bien entendu, Kota Takahashi a été contacté pour faire un arrangement sur la série, donc c'était sur le 4e épisode, Wii U et 3DS, et il a réarrangé le thème de Metroid, qui avait été initialement composé par Hirokazu Tanaka. Et donc on avait dit en début de cette bibliothèque que Hirokazu Tanaka faisait partie des influences majeures de Kota Takahashi dans la musique de jeux vidéo, donc je pense que ça a été pour lui un honneur incommensurable de pouvoir travailler sur un des morceaux phares de Chip Tanaka. En 2014, c'est aussi l'année où Kota Takahashi va revenir sur Ridge Racer, alors d'une façon un petit peu particulière néanmoins, puisque 2014 en fait marquait les 20 ans de la série, et le label de Shinji Osoe, donc Sweep Record, a sorti un album collaboratif réunissant plusieurs compositeurs de la série, et ils ont été amenés à remixer leur propre musique, et du coup Kota Takahashi a remixé pour sa part Move Me, son morceau du 4e épisode qu'on a évoqué un petit peu plus tôt. Passé 2014, ses participations à des projets liés aux jeux vidéo vont se raréfier encore davantage. Côté non-jeux vidéo, néanmoins, il va participer à 3 projets à l'initiative de la même personne, donc Dirty Androids. Et sur son label, il a sorti du coup des albums collaboratifs. Donc le premier s'appelle Saturdays et les deux autres s'appellent Funkacity 1 et 2. Et sur chacun d'entre eux, Kota Takahashi a composé un morceau inédit. Dirty Androids fait partie des producteurs de la scène Beatmania qu'on a cité plus tôt. Donc il n'est pas exclu que les deux se connaissent du fait de la participation de Kota Takahashi à la Konami School. Et avant de conclure, je voulais reparler du Bandcamp de Kota Takahashi, donc solidstatejapan.bandcamp.com, qui est à nouveau très actif depuis quelques temps, surtout depuis le début de l'année. On y trouve pas mal de trésors, c'est une vitrine en quelque sorte de la carrière de Kota Takahashi. Il y a entre autres Kota Takahashi's Fucking Sounds, qu'on a évoqué en début d'émission, qui est disponible dans son intégralité. Il y a les morceaux du coup que j'ai cités, qui étaient sortis au début des années 2000, comme Meek, One Love for One Love, Lava Flow et bien d'autres. Et sur l'album 2001 Disk Space Odyssey, qui est sorti au début de l'année, Kota nous offre une version longue de Jinx, donc une vraie, entre guillemets, c'est pas un remix ou quoi que ce soit, c'est vraiment la version longue du morceau original. Il nous a fallu plus de 20 ans pour l'avoir, quand j'ai entendu ça, j'étais complètement ouf. C'est tout pour ce 20e épisode de la bibliothèque, donc comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est un épisode que je suis très content de faire. Kota Takahashi, ça fait partie des premiers compositeurs, des premiers noms dans le jeu vidéo japonais qui m'ont vraiment tapé à l'œil avec des artistes comme Yuzo Koshiro ou Hideki Naganuma. Donc d'avoir pu faire cette bibliothèque et en plus d'avoir des infos de première main, c'était vraiment une consécration. Pour moi, j'étais vraiment super content. On se retrouve, je l'espère, avant 2021 pour une bibliothèque 21. Parce que oui, vous l'aurez remarqué, les épisodes sont de plus en plus espacés. Ça vient tout simplement du fait que on essaye de se diversifier un petit peu sur Mirugezu. Et du coup, l'énorme temps qu'on mettait sur les bibliothèques, on a décidé de l'allouer à d'autres projets pour varier un petit peu. Puis ça nous permet aussi de prendre le temps qu'il faut pour faire les épisodes de la bibliothèque. On n'est pas obligé de les sortir dans le rush mois après mois, donc de façon mensuelle. Là, si on veut prendre le temps de bien peaufiner l'épisode, on le prend. Donc c'est mieux pour nous et j'espère que c'est mieux pour vous aussi d'avoir des épisodes qui sont plus... plus fini. Avant de vous dire au revoir, je voulais remercier encore une fois Kota Takahashi qui a pris le temps de répondre à mes questions et Cédric, le pote de Pazou, qui a pris le temps de traduire l'interview. Et aussi, je tenais à vous remercier vous pour l'engouement que vous exprimez à chaque nouveau contenu Mirugezu. Ça nous fait super plaisir et ça nous donne la force de continuer. Donc merci beaucoup. Et ma foi, on se retrouve très bientôt pour plus de Mirugezu. À plus.